aussi. Ça sera Kenya Mexique pour la Coupe du Monde féminine, Écosse Mexique pour les hommes. Et voilà, c'est parti dans ce match entre le Gamitan et la Suisse. Match pour la troisième place de l'Ops Cup. 7 minutes. Derrière les deux points, c'est de faire la différence. S'il n'y arrive pas, ce sera une séance de tir au but. Avantage pour l'instant. Kyrgyzstan qui a le pied sur le ballon. Attention, contre Suisse, première frappe de ce match de la part du capitaine suisse. C'est arrêté par le gardien Kyrgyzstan. Très bon ici lors de ce tournoi. Et voilà, le premier but. Et ça, l'avantage du Kyrgyzstan. Pour l'intermédiaire sur le numéro 5 et 1-0 pour le Kyrgyzstan face à la Suisse. Kyrgyzstan qui est toujours le ballon maintenant, qui va essayer de faire break dans ce début de match. Frappe et but, et voilà, c'est chose faite. But du numéro 10 du Kyrgyzstan, et 2-0 déjà pour le Kyrgyzstan. Enfin, ce 6, mais déjà au match précédent, on a eu des records de motivation. Tout est en train de suivre donc pour la zone suisse. Super, le ballon justement. On est ballon pour essayer de trouver l'ouverture. C'est du Haricard. Nouvelle frappe suisse, c'est encore arrêté par les gardiens de Kyrgyzstan. Très très loin aussi. Là j'ai un avantage. Attention, frappe numéro 5 suisse. Mais ça passe à côté des buts. Sortie de but donc ici on joue le but pour le Kyrgyzstan. Et voilà, de leur capitaine, le numéro 7, les Suisses qui reviennent. Un but, 2-1 toujours en faveur du Kyrgyzstan. Ce match s'annonce plus serré, il me paraissait. Match pour la troisième place de cette Ops Cup. Kyrgyzstan qui a été frappé en début de match, qui commence à se faire reprendre il y a quelques minutes. Il reste plus qu'un petit but d'écart. Attention, la Coupe du monde de foot. Les buts vont très vite. Deux frappes consécutives pour les Suisses, repoussées par deux fois par deux jolies parades. Les gardiens du Kyrgyzstan, corner pour l'équipe suisse. C'est joué Milito. C'est bien joué. La frappe du numéro 5 tombe encore sur le goal. Ça va d'un but à l'autre dans cette première période entre les deux équipes. Et voilà, numéro 5,
du père de son équipe de refaire un petit break. 3 buts à 1 pour le Kyrgyzstan en face aux Suisses. Le frappe aux Suisses, arrêté par le gardien Kyrgyzstan. Très grand gardien. Très bon aussi. Petit enceinte encore du Kyrgyzstan. Très grand fort dans ce demi-match. Et voilà, but numéro 10 du Kyrgyzstan et 4-12-1 maintenant en leur avantage. Ouais, alors que le numéro 4 suisse fait son entrée sur le terrain. Faute, avantage de la Suisse. Le plus près possible au moins dans cette première période. Et ainsi, c'est de déviser la victoire dans la seconde. Je suis sorti même frappe, c'est contraire. C'est une nouvelle chance. Encore, cette fois ça rentre. 4-2 pour l'équipe du Kyrgyzstan, même si ça qui n'habite pas, qui revient encore, et voilà, nouvelle frappe. Ça passe à côté du but. Mais sortez plus pour le Kyrgyzstan, c'est relancé, mais c'est une faute à l'avantage du Kyrgyzstan. À suivre, juste après ce match sur le terrain numéro 2, l'Italie qui affrontera l'Afrique du Sud. Match pour la City Cup. Pour la troisième place. On va jouer ensemble du Kyrgyzstan, ça passe largement à côté des buts. Et voilà, c'est la mi-temps.